l'eau qui ne voulait plus marcher. Oriane Lallemand et Léonore Thuillier. Un soir, l'eau rentra chez lui épuisé d'avoir joué dans la forêt. Il avait les pieds gonflés et les jambes en papier mâché. « Je ne marcherai plus jamais, » dit-il à ses amis. « C'est bien trop, trop fatigant. » Ses amis le regardèrent en pouffant. « Ce loup, il était trop marrant. »« Ah ouh !» En janvier, à vélo. Stitch nous, proverbe. En janvier, l'eau s'acheta un vélo tout-terrain. Quel bonheur de pédaler, museau au vent, sur les chemins et dans les champs, quand la roue de son vélo criva. L'eau fut bien ennuyée. Il ne savait pas comment la réparer. De toute façon, du vélo, j'en ai assez, décida-t-il. Ah, ouh! En février, à ski. Vlotem, nanardar. En février, l'eau partit au sport d'hiver avec ses amis. À peine arrivé, il chaussa sa paire de ski dernier cri et s'élança sur les pistes. Moins vite! Moins vite! Lui criait Alfred. Ah, ouh! En février, Oli, vloutem, vloshko. Trop tard, au détour d'un chemin, l'eau s'écrasa sur un grand pin. Plousk. Fini la rigolade, il avait une patte cassée et le museau en marmelade. En mars, en voiture, ah oui. En mars, l'eau loua une jolie petite automobile et il alla rendre visite à sa vieille tante Agapante. Agapante trouva la voiture épatante et l'eau dut la promener toute la journée. Quand il rentra chez lui, il avait mal aux fesses et les jambes toutes bloquées. La voiture... « Plus jamais !» grogna-t-il. « C'est une calamité !»« Ah ouh !» En avril, à moto, en mai, à patin, à roulette. « V kwietniu motorem, v maju, na wrotkach !» En avril, l'eau emprunta à gros lui sa moto. Mais le casque sur ses oreilles et le blouson, lui, tenait chaud. Pour lui, c'était trop. En mai, Louve, sa chérie, lui offrit une magnifique paire de patins à roulettes. Pour les pâtés, il tenta une pirouette et finit couvert de bandelettes. Ah ouh! En juin, en botte de 7 lieues, w czerwcu w butach 7-milowych. En juin, l'eau trouva une paire de bottes de 7 lieues. Il les enfila. Le premier pas le mena de l'autre côté de la forêt. Le second pas, plus loin encore, là où il n'était jamais allé. Enfin, cria le loup enchanté, j'ai trouvé chaussures à mon pied. Ah ouh! En juin, deux ogres. En criant, il réveilla deux ogres qui se mirent à hurler. « c'est lui qui a volé les bottes, attrapons-le pour le goûter, vite !» L'eau se déchaussa et disparut dans un terrier. « Ah ouh !» En juillet, en train, v lipcu, pociągiem. En juillet, l'eau s'acheta un billet de chemin de fer pour aller voir la mer. Hélas pour lui, les Indiens attaquèrent le train et il passa les plus mauvaises vacances de sa vie. Ouh! En août, en tracteur. W sierpniu traktorem. En septembre, en carrosse.
we wrześniu karetą. En août, le loup emprunta le tracteur du fermier. Ce fut une grosse erreur. En septembre, l'ours accepta de conduire le carrosse d'une princesse sans cocher. Bien mal lui en prit. Il faillit finir en bouillie quand le carrosse se changea en citrouille à minuit. Ah ouh! En octobre, en avion. Październiku, samolotem. En octobre, Lou fut invitée au mariage de sa sœur Sarah Lou. Elle habitait au Canada, à des milliers de kilomètres d'ici. Enfin, je vais prendre l'avion, fit Lou tout excité. En octobre, en avion. Październiku, samolotem. À peine décollé, l'avion fut pris dans une tempête terrible. Il tanguait, plongeait, se redressait. Les passagers étaient secoués comme des pommes dans un panier. Tonnerre, éclair! Le voyage fut un enfer et jamais l'eau n'oublia son baptême de l'air. Ah ouh! En novembre, en bateau, listopadie statkiem. Lou passa chez sa sœur quelques jours époustouflants. Il apprit à pêcher le saumon dans les torrents et se fit des amis absolument charmants. En novembre, quand il fallut rentrer, le bateau lui sembla le moyen de locomotion rêvé. Tranquille, relaxant, voilà enfin ce qu'il lui fallait. Ah ouh! En novembre, le mal de mer. Mais c'était sans compter le mal de mer. En moindre roulis, l'eau sentait son cœur se mettre à l'envers. Quand le bateau accostait, enfin l'eau était pâle et amaigrie. Le bateau, c'est bon pour les matelots, déclara-t-il au capitaine. Ah ouh! En décembre, en traîneau, le gros gnonassagna. Décembre était arrivé dans la forêt. L'eau marchait tranquillement quand un traîneau vint se poser à ses côtés. Hé, l'ami! Fut une grosse voix. Il se fait tard, voulez-vous que je vous dépose quelque part? L'eau leva les yeux vers le grand bonhomme rouge et il répondit : C'est gentil, Père Noël, mais je vais marcher, voyez-vous, les deux pattes par terre, c'est vraiment ce que je préfère. Ah ouh! Et voilà toute l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et maintenant je dis merci, au revoir, bisous, bisous, Eva et Manek vous embrassent.